véritable spécialiste des takedowns, il peut choisir où et quand un combat va continuer au sol, même si son adversaire ne veut pas. Quand on parle de ce combattant, le mot qui nous vient à l'esprit, c'est étranglement. Une fois qu'il vous a verrouillé dans une de ses techniques, il n'y a pas d'échappatoire, c'est l'abandon ou la sieste forcée. Belle démonstration de striking ici. Sa stratégie est claire, rester debout et transformer ce combat de MMA en un combat de kickboxing. J'ai rarement vu un combattant capable d'éviter autant les coups. Ce qui est impressionnant chez lui, c'est qu'il est capable de rester proche de son adversaire, d'éviter les attaques et de contre-attaquer dans la foulée. C'est un facteur majeur de son succès dans l'octogone. Voici les données de ce combat poids lourd. 4 ans d'écart entre ces deux combattants et ils ont quasiment la même allonge avec une taille assez proche. Et voilà Bruce Buffer pour présenter les deux adversaires. Ladies and gentlemen, this is the main event of the evening. When the action begins, our referee in charge of the octagon, Herb Dean. This is the moment UFC fans around the world have been waiting for. Live from the sold-out Madison Square Garden Arena in New York City, it's time! 5 rounds in the UFC heavyweight division. Introducing first, fighting out of the blue corner. This man is a wrestler, holding a professional record of 21 wins, 12 losses, and 1 draw. He stands 6 feet 2 inches tall, weighing in at 205 pounds. Fighting out of Huntington Beach, California, USA, Tito Ortiz! And now introducing his opponent, fighting out of the red corner. This man is a kickboxer. Making his professional debut here tonight, he stands 5 feet 10 inches tall, weighing in at 187 pounds. Fighting out of Moscow, Russia, the Warrior! You can give me your instructions in the dressing room. Protect yourself at all times. Follow my instructions. We will have a clean fight. Touch gloves, let's make it official. Et on ne touche pas les gants ici, ça promet d'être intense. Allez, le Madison Square Garden, cette salle mythique de Manhattan, c'est quelque chose. Rien que le nom vous donne envie de vous dépasser, de rentrer dans l'histoire d'une façon ou d'une autre. Wow, quel coup de pied à la tête! Je ne sais pas comment il a fait pour rester debout là! Grâce à ses jambes, il touche ici avec ce coup de poing. Enchaînement efficace et varié. Oh, le takedown dès les premières secondes de ce round. Vite fait, bien fait comme on dit. Eh oui, parfois il faut savoir ne pas laisser d'espoir à son adversaire. Joli mouvement au sol, superbe technique avec cette transition. Comme quoi, une bonne technique de lutte, c'est toujours intéressant. Être au sol ne lui pose aucun problème. Contrôle latéral. Ortiz rentre en crucifix. Le ground and pound et les coups qui s'enchaînent. C'est une séquence aussi spectaculaire que technique. Parce que si vous laissez votre adversaire se relever, vous vous exposez au contre. En north-south. Et retour en side control.
Allez, ça y est, il a retrouvé sa base. Il va pouvoir distribuer les coups maintenant. Bonne transition. Il est de retour en North South. Oh, tentative d'étranglement. S'en sort. Un bon coup au sol. En half-guard. Gros travail pour tenter de lui couper le souffle. Dernière minute de ce premier round. Uppercut complètement manqué. L'échange est redoutable. Ouh là là, vous avez vu cette combinaison? Combien de fois il a touché? Aucune idée, son adversaire le sait peut-être, mais que c'est arrivé vite. Un coup de pied à la tête. Il est sonné. Il encaisse un sacré coup de genou. Le crochet. 10 secondes. Tie clinch verrouillé. Et c'est la fin de la première reprise. Petit résumé de ce round en images. Un puissant coup de pied qui l'envoie au tapis. On voit bien la puissance du kick ici. Et on revoit ce violent coup de pied qui l'a fait chuter. C'est reparti, deuxième round. Énorme kick à la tête. Et c'est reparti. Oh, 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 quel coup de genou. Ah, il a retrouvé sa base. Place aux dégâts maintenant. Superbe frappe à la tête par Ortiz. Toujours du bon travail au sol, avec de belles transitions. Oui, il récite ses gammes en lutte, c'est un régal. De la technique et encore de la technique. Avec ses mouvements au sol et ses transitions, vous devez être au paradis, non? Oui, ça me donne même envie de me mettre à la lutte. J'ai trouvé mon modèle. On sent son aisance au sol. Très bonne position. Le triangle. Il s'est dégagé. Il est clairement dans son élément. On est sur pied. Il est sonné. Il le touche. Direct qui passe. Il percute enchaînement. Il a senti ce mal de frappe. Nouvelle frappe et nouvel échec. Ça devient gênant. Vu qu'il est cuit, il devrait plutôt essayer de récupérer. Et bim, le coup de pied en plein sur sa cible. Le premier takedown, ça y est, c'est fait. Alors celui-là, on l'a attendu un moment. Qu'est-ce qu'il va pouvoir faire au sol maintenant? Il joue le tout pour le tout, l'un pour l'autre. La punition continue. Il rate de peu cette violente frappe. Rien ne l'arrête. Heureusement pour son adversaire qui l'a raté ce coup de pied.
Il repasse en side control. Il est en position de half guard. Il passe en side control. Le voilà en full mount. Il tente un armbar. Et ce deuxième round se termine. Sans coup de pied qu'il envoie au tapis. Le gros coup de pied, regardez. Et on revoit ce violent coup de pied qui l'a fait chuter. Allez, c'est le point central du combat. Il faut désirer la pose de ce coup de pied. De nouveau debout. Il place un low kick. Touché par le droit. Un autre coup de pied à la jambe. Le jab est doublé. Oh, le takedown. Dommage, c'est raté. Le high kick. Le combat continue debout. Il passe à côté. Et allez, tout le monde en clinch. Je suis déjà fatigué, rien que de les voir. Oui, c'est un exercice fatigant, en effet. Vous devez toujours essayer de fatiguer votre adversaire. C'est vrai. Belle projection de hanche sur ce takedown. Oui, il a parfaitement placé sa jambe pour pouvoir envoyer son adversaire au tapis. Les 200 mètres de debout. Il lui attaque la cuisse avec un coup de genou. Allez, voilà le coup de poing. Avec une belle mécanique en plus. Et ça lutte pour le contrôle du clinch. Et c'est une droite par Ortiz. Il bloque ce high kick. Il retourne dans le clinch. Ortiz frappe dans le vent. Le coup de genou au corps, il a touché. C'était une bonne idée, son adversaire était assez. C'est bien d'essayer, mais c'est raté. Ah, quand on est fatigué, il vaut mieux essayer de récupérer que de frapper dans le vent. Et c'est la fin du combat. Waouh! Une frappe puissante qui a envoyé son adversaire au tapis et lui octroie la victoire. Revoir les actions de ce round. Quel violent chaos! Une frappe brutale qui aura éteint toutes les lumières chez son adversaire. Hein. C'est bonne nuit les petits. Le retour à la réalité va être douloureux. Allez, Bruce Buffer avec la décision officielle. Ladies and gentlemen, referee Herb Dean has called a stop to this contest at 2 minutes, 43 seconds of the third round. Declaring the winner by knockout, the Warrior! Et